Au début, je comptais les jours. Je comptais par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200. Il n'y avait pas un jour durant lequel j'essayais pas de sortir. Les seuls moments où la porte s'ouvrait, c'est quand mes yeux, eux, étaient fermés. Bien essayer de veiller, d'attendre un de ces mecs, de l'éclater dès qu'il passe la porte, et courir le plus vite possible. Pensez-vous, je savais pas ce que je foutais là, et j'avais du mal à me rappeler où j'étais avant. C'est le genre d'interrogation qui aurait dû me tenir éveillé, mais ce soir-là, j'ai dormi longtemps. Vraiment longtemps. Je comptais plus les jours. J'avais perdu le fil. Je mangeais à ma faim. J'avais pas froid. Quand je dormais, la porte me donnait des choses. Je me réveillais souvent avec des objets posés au centre de la pièce. Alors je rangeais, je lisais, je tournais en rond dans un carré. Ça me faisait passer le temps, mais pas l'envie de sortir. Bienvenue. J'ai quatre murs, un lit, une table, une porte, des livres, des jeux. J'ai un poisson rouge qui tombe du ciel. J'ai pas de ciel. J'ai quatre murs, un lit, une table, une porte. J'ai pas d'espace. J'ai une plante, un puzzle, et des trous de mémoire. J'ai plus d'air. J'ai quatre murs, une balle qui rebondit, et des cadres sans tableau. J'ai une porte et des images derrière. J'ai quatre murs, j'ai des questions, des trous de mémoire. J'ai sommeil. Je n'ai plus jamais fait de cauchemar depuis ce jour-là. Mais plus de rêve non plus. Je suis resté là. Je n'en sentais pas l'envie de bouger. J'ai même failli m'endormir. Alors je me suis relevé, comme si j'avais quelque chose à faire. Et comme tous les jours, je me suis lavé. Et j'ai mangé. J'ai des choses ici. J'ai pas besoin de souvenirs. J'ai pas besoin de connaître les jours. Ça ne les empêchera pas de défiler comme un diaporama. C'est quand il nous échappe que le temps devient précieux. Mais parfois j'ai l'impression qu'il est là enfermé avec moi, entre quatre murs lui aussi. Je me rappelle un peu de comment c'est dehors.
Je revois des espaces, des nuages poussiéreux, des champs et des arbres abîmés comme en ruine. Mais je me rappelle pas de mon nom. J'ai dû apprendre à sélectionner les informations utiles pour effacer celles qui le sont moins. C'est mon Big Bang à moi ici. Mon monde. Mon monde privé. C'est un ventre qui respire en même temps que moi. Qui me nourrit. Qui m'élève quotidiennement. Depuis mon arrivée, c'est le seul jour où je me suis senti presque libre. C'est le seul jour où je n'ai même pas pensé à essayer de sortir.